En venant se recueillir devant le mémorial dédié aux disparus en mer, le pape François a voulu envoyer un message clair, que la Mare Nostrum ne devienne pas la Mare Mortuorum, la mer des morts. L'association SOS Méditerranée était présente lors de cet hommage. Elle navigue pour sauver les migrants et éviter que cette mer ne se transforme en linceul. Le message du pape a été reçu 5 sur 5. C'est extrêmement important, hein, l'association SOS Méditerranée, donc, qui fait du sauvetage en mer de personnes en détresse lorsqu'elles tentent de traverser la Méditerranée et qui malheureusement pour beaucoup font naufrage et s'entassent, dont les corps s'entassent au fond de la Méditerranée depuis tant d'années. Donc d'avoir comme cela quelqu'un comme le pape, une figure éminente, à stature internationale, un chef d'État qui prend la parole pour rappeler ce drame en Méditerranée, nous rappeler tous à nos consciences, à nos valeurs morales, d'humanité, qui constituent évidemment, il ne faut pas laisser mourir ces gens en mer, on se doit de leur porter assistance. Donc que le pape prenne la parole pour le dire et le redire est extrêmement important. Oui, ça va avoir un impact à votre avis? Je le pense, oui, je le pense vraiment. Et en tout cas, c'est le meilleur moyen de remettre ce sujet au devant de la scène et d'interpeller nos consciences. Ne nous habituons pas à considérer les naufragés comme des faits divers et les morts en mer comme des chiffres, dira le pape François. Ce sont des prénoms, des noms, des visages, des histoires, des vies et des rêves brisés.